Monsieur le Président, les gangs de rue et la criminalité sont des enjeux très importants pour les familles de toutes les régions du Québec. Le Bloc québécois, lui, préfère écouter les gauchistes du plateau et d'autres grands penseurs déconnectés de la réalité des régions. Est-ce que la secrétaire parlementaire du ministre de la Justice pourrait informer cette Chambre ce que le gouvernement conservateur fait pour lutter contre les gangs de rue et la criminalité, M. le Président? Le ministre d'État, pas le secrétaire parlementaire, pardon, à l'ordre. Monsieur le Président, notre gouvernement est le seul à l'écoute des régions du Québec et de ses priorités. C'est pourquoi nous continuons de lutter contre les gangs de rue et de protéger les familles québécoises. Récemment, nous avons passé un projet de loi qui prévoit des peines minimales pour ceux qui font la traite et le trafic des mineurs. Malheureusement, le Bloc a écouté ses amis du plateau, pas les régions. Il a voté contre. Heureusement, la loi a passé malgré le Bloc. Notre gouvernement continue d'écouter les familles du Québec, d'écouter les régions du Québec, et nous allons continuer à lutter contre les criminels, peu importe ce qu'en pense le Bloc et ses amis du plateau. Bravo!